Le bac pro MEI, maintenance des équipements industriels, c'est une formation vraiment polyvalente, pluritechnologique, dans laquelle on retrouve 5 domaines principaux, qui sont la mécanique, l'électricité, le pneumatique, l'hydraulique et l'automatisme. Ils ont donc des compétences qui leur permettent de s'adapter assez facilement dans le monde du travail. C'est bien pour cette raison que les entreprises viennent à nous pour rechercher ce type de profil. Donc en classe de seconde, on va démarrer donc sur l'apprentissage des fondamentaux. Les élèves vont découvrir les différents matériels. Ils vont apprendre à faire de la lecture de schéma électrique, schéma pneumatique, lecture de plans en mécanique. Pour que les élèves puissent intervenir en toute sécurité dans les ateliers, on va essentiellement parler du risque mécanique, risque chimique et risque électrique. Les élèves vont passer des habilitations en mécanique en classe de seconde. Les élèves vont apprendre à faire du démontage-remontage, démonter un moteur, un motoréducteur par exemple. En électricité et pneumatique, les élèves vont apprendre à faire du câblage sur platine, suivi de mise en service. Pour ce qui est de la classe des deux classes de première et terminale, on va plus aller sur du perfectionnement. Donc les élèves vont devoir apprendre à faire de la maintenance préventive, de la maintenance corrective et de l'amélioration sur système. Bon, la maintenance préventive concerne la surveillance des installations avant la panne. La maintenance corrective concerne l'intervention sur système ou sur un bien suite à un dysfonctionnement. Les élèves doivent suivre une méthode, poser un diagnostic pour remplacer un élément défectueux et pour enfin remettre en service l'équipement. Et enfin, le troisième volet concerne l'amélioration. Donc les élèves doivent étudier, travailler sur un projet et proposer une amélioration sur système automatisé. Ce qu'on demande avant tout, c'est une réelle motivation, de la curiosité, l'envie de s'investir tout simplement et de maintenir ses efforts sur les 3 années de formation. À l'issue du bac pro MEI, les élèves peuvent envisager une poursuite d'études, effectivement, en BTS, généralement. C'est une classe de 12, c'est quasiment une formation individualisée qui comporte 22 semaines de stage en entreprise. C'est un bac pro qui est relativement recherché, pour lequel on a souvent de la demande de la part des professionnels. Les élèves ont la possibilité d'intégrer des entreprises donc en tant que technicien de maintenance. Ils ont la possibilité ensuite d'évoluer en interne vers des postes à responsabilité.